France est marquée par six feux de trois notre programme. Nous allons donc suivre les mots de circonstance de son Excellence Monsieur Abdou Abari. Aux décideurs de renouveler
leur engagement pour une promotion et une protection des droits des enfants. Pour la commémoration de la 27e édition de la Journée de l'enfant africain, les thèmes adoptés à l'échelle continentale est accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030. Et celui préconisé au niveau national est combattre la malnutrition chronique. Ces thèmes méritent d'être exploités à cette occasion car notre pays et notre ville en particulier sont concernés par la malnutrition chronique des enfants. Les statistiques en ma possession montrent que la République démocratique du Congo est classée sur la liste de pays possédant le plus grand nombre d'enfants malnutris, car près de 43% d'enfants à travers le pays sont touchés par la malnutrition, selon les rapports de l'enquête démographique et de santé EDES 2013-2014. Face à cette situation, l'exécutif provincial lance un appel à tous les acteurs de promotion et de protection des droits de l'enfant pour partager cette responsabilité sociale qui se veut collective en vue d'améliorer les conditions de vie de cette frange de notre population. L'enfant doit être le centre de notre intérêt à tous parce que c'est lui qui constitue l'avenir de demain, d'où la nécessité de faire une évaluation pour savoir d'où l'on vient, qu'avons-nous fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et que faut-il faire pour renverser la tendance. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers enfants, dans la ville de Kinshasa, plus de 7200 enfants ont été formés avec l'appui de l'UNICEF sur leurs droits tels que réduits dans la Convention internationale des droits de l'enfant appuyée par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant qui consacre la participation de l'enfant dans toutes les questions les concernant à travers les libertés reconnues aux articles 16, 26, 27, 28 et 29 de la dite loi. Ainsi, accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030, c'est notre responsabilité. Assurer la protection des droits de l'enfant partout et à tout moment, c'est notre responsabilité. Combattre la malnutrition chronique des enfants, c'est aussi notre responsabilité. Je termine mon propos en affirmant que le gouvernement provincial de Kinshasa s'engage et est déterminé pour que la situation de ces enfants soit améliorée dans un élan de solidarité nationale et internationale, car un enfant mal nourri n'a pas besoin de notre pitié ou de notre compassion ponctuelle, mais d'actions concrètes qui s'inscrivent dans la durée et favorisent sa réhabilitation et surtout sa bonne santé. Je vous remercie. Heureux de constater que nombreuses violations sont encore présentes à l'égard des droits de l'enfant. Violations parmi lesquelles le mariage d'enfant. Oui, le mariage d'enfant est une réalité en RDC. Et pour illustrer mes propos, je me propose de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Chance. Chance est une jeune fille, très intelligente qu'elle était, très habile et ambitieuse. Mais à l'âge de 13 ans, les problèmes ont commencé, sa vie a changé. Oui, parce qu'à cet âge, son père mourut. Naturellement, la misère s'installa dans la famille. La maman de Chance
avec un total de 5 enfants, ne pouvait plus supporter. Et un jour, elle se décida d'envoyer Chance en mariage. Bien sûr, avec un papa riche du quartier, pour pouvoir combler les souffrances de la pauvreté. Chance refusa naturellement, car elle voulait, à son âge, jouer au mailloteau comme les faisaient ses amis, ou simplement aller à l'école et réussir sa vie. Mais elle y a été contrainte, et personne pour la défendre. De ces jours, la chance pour elle ne souriait plus. Et bel et bien, elle s'est vue entrer dans ses mariages. C'était le début de ses malheurs. Tout au début, la première conséquence était qu'elle ne pouvait plus retourner à l'école, car étant trop occupée à faire le ménage. Mais aussi, elle s'est fait rouer de coups à chaque fois que ne préparait pas bien ou que le mari n'était simplement pas content. De souffrance à souffrance. Mais le pire arriva, car après une année dans ses mariages, elle finit par tomber enceinte. Mais malgré cela, ça ne changea pas la situation. Elle était toujours violentée et elle ne vivait pas en paix. Étant si fragile et si jeune, son corps ne pouvait pas supporter cette charge, car elle n'y était pas préparée. Prévenue par le médecin, la famille savait qu'elle courait un risque. Mais égoïste, et le mari, et la famille de Chance, étaient pour l'accouchement. Mais malheureusement, on prévu par le médecin, le jour de l'accouchement, Chance succomba. Et le bébé qu'elle portait en elle mourut également. Une triste histoire, mais qui en réalité passa inaperçue et sans réaction. Une histoire choquante. Mais la tristesse de cette histoire ne s'explique pas au fait que ça concerne Chance. Parce que Chance, en réalité, n'est pas la première à être victime. Et elle ne sera pas sans doute la dernière si les actions ne sont pas menées. Oui, le mariage d'enfants est une effectivité en RDC. Les résultats de l'enquête menée par l'EDS en 2013-2014 le prouvent, car il est clairement montré dans cette enquête que plus de 43% des femmes ont été en union avant l'âge de 18 ans. Des chiffres qui en réalité valent des millions ici. C'est quelque souffrance pour l'enfant en RDC. Et pourtant, cette situation ne devait pas exister, car les textes s'y opposent, notamment la loi portant protection de l'enfance promulguée par le président de la République, qui, en son article 48, stipule clairement que les fiançailles et les mariages d'enfants sont strictement interdits. Cette loi n'est tout simplement pas respectée. Le non-respect de cette loi n'est pas la seule cause, car en effet, nombreuses causes peuvent expliquer ce fait, notamment la pauvreté des parents, mais aussi plein d'autres conséquences en résultent, notamment l'arrêt de la scolarité. Pas d'école, pas de compétences, pas de compétences. Pas de travail, pas de travail, la pauvreté, et nous revenons au mariage d'enfants, un cycle infernal qui freine le développement de la protection de l'enfant en RDC. Mais cela n'est pas une fatalité, car nous pouvons en sortir. C'est ainsi que, humblement, nous recommandons à vous, membres du gouvernement, de rendre effectif la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Car en étant éduqué, ces problèmes se réduiront sensiblement. Mais aussi, d'incorporer la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dans le programme national scolaire, intégralement. Parce qu'en connaissant ces droits, on sait les revendiquer. Et encore,
de mener des plaidoyers, de mener des sensibilisations visant à interpeller les familles sur les méfaits du mariage d'enfants et aussi sanctionner, tel que prévu par la loi, toute personne, auteur ou complice de tout mariage ou toute fiançaille d'enfants. Et à vous, différents partenaires de la RDC, nous vous prions de soutenir conséquemment toutes les actions visant l'éradication du mariage d'enfants en RDC. Et à vous, membres de la communauté, nous vous prions, nous vous supplions de dénoncer et d'empêcher par toutes les formes qui possible tout mariage d'enfants ou toute fiançaille d'enfants. Et à vous tous, décideurs, nous vous prions de coordonner vos efforts en vue d'atteindre des résultats positifs, ou plutôt, et aussi d'impliquer plus d'enfants qui peuvent, à leur manière, avec leurs propres mots, travailler pour convaincre leur père et réfuter les mariages d'enfants. Nous, pour notre part, en tant que membres du comité, nous nous engageons ici, devant vous tous, à continuer à mener le plaidoyer sur la défense des droits de l'enfant, notamment le droit à la protection contre le mariage d'enfants. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa ici représenté, Monsieur le représentant de l'ONU Vigile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers enfants, comme vous le savez, le 16 juin commémore le massacre à Soweto de jeunes écoliers noirs par le régime d'apartheid. Depuis lors, cette journée, déclarée journée des enfants africains et célébrée sur le continent autour de thèmes qui visent à promouvoir les droits des enfants et à en assurer la protection. Si le thème de l'année dernière a été consacré à la protection des droits de tous les enfants dans les situations de conflit et de crise, thème qui demeure encore, vous conviendrez avec moi, à l'actualité, cette année, la commémoration se fait autour du thème accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030. Ce thème, il convient de le souligner, englobe beaucoup d'aspects, tel les défis à relever pour atteindre ce noble objectif sont nombreux. C'est certainement pourquoi la République démocratique du Congo a choisi de mettre l'accent sur le thème national combattre la malnutrition chronique. Quand on sait qu'entre 2011 et 2013, 842 millions d'enfants et d'adultes dans le monde sont confrontés au problème de la malnutrition et que l'Afrique est après l'Asie le continent le plus touché, on comprend aisément la richesse de ce choix. D'autant que pour la RDC, la malnutrition est un problème de santé publique accentué et corrélé par les crises qui empêchent les déplacements de personnes et qui empêchent les populations de s'arrimer au travers de la terre du fait de la menace des groupes armés. Mesdames et Messieurs, il est que la RDC ait choisi la journée de l'enfant africain pour présenter son plan d'action pour mettre fin au mariage d'enfants en République démocratique du Congo. Ceci témoigne de l'engagement de la RDC de renforcer les efforts déployés au niveau du pays pour lutter contre le mariage d'enfants et continuer à éveiller les consciences sur cette question cruciale afin de donner espoir et chance aux filles de vivre pleinement leur enfance et de poursuivre parfois leur rêve. C'est pour protéger le droit de la jeune fille de l'Union africaine, dans le cadre de sa politique du genre et de la jeune fille, a recommandé que tous les États organisent une campagne visant la réduction au cours des années 2014 et 2017 des mariages précoces observés en Afrique. Le mariage précoce est un fléau qui a des conséquences néfastes sur la jeune fille et les jeunes garçons et constitue une violation de leur droit.
à l'Afrique subsaharienne, le taux est de 95%. Les pays africains qui ont le taux dépassant les 50% de mariage précoce sont le Niger, le Tchad, la RCA, le Mali, le Mozambique et le Ghana. Le Niger a le taux le plus élevé au monde, avec 75% avant 18 ans et 36% de mariage précoce avant l'âge de 15 ans. Et la RDC figure parmi les 20 États ayant le taux élevé de mariage d'enfants. Cette année, des millions de filles sont forcées de se marier, et cela parfois même avant d'avoir atteint l'âge de 8 ans. Pendant que nous serons réunis ici, plus de 1500 enfants seront encore victimes d'un mariage précoce ou forcé. Cette pratique met en péril la vie même des jeunes filles. Les complications liées à la grossesse en bas âge peuvent provoquer de graves séquelles, telles les fissures obstétricales chez la mère, voire lui faire perdre de la vie. Les complications à la naissance sont la principale cause de mortalité parmi les jeunes filles de 15 à 19 ans, dans les pays en développement, étant elles-mêmes des enfants, elles ne sont tout simplement pas prêtes à assumer le rôle de parents. Excellences, mesdames et messieurs, mes chers invités, chers enfants, le temps n'est plus à la parole, mais au sac. On doit agir maintenant en Afrique et en RDC pour mettre fin au mariage précoce. Il s'agit non seulement d'une question de preuve de la personne, mais aussi d'une question de paix, de sécurité et de développement. Je salue les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et spécialement l'engagement de Mme la ministre Bouchard qui a élaboré ce plan d'action pour mettre fin au mariage d'enfants qui nous est présenté aujourd'hui. Ceci est un cadre de référence pour tous les acteurs de la République démocratique du Congo pour mettre fin à ce terrible crime. L'Union africaine est également déterminée à défendre les droits des jeunes filles et c'est pourquoi elle a inscrit au rang de sécurité une politique sur le plan continental pour mettre fin au mariage précoce des enfants. Nous ne pouvons qu'y arriver que si nous travaillons ensemble, chacun a un rôle à jouer, autant les parents, les enseignants, les chefs traditionnels, les membres de la société civile, des gouvernements, des parlements, ainsi que les dirigeants des organisations professionnelles et communautaires. Excellences, mesdames et messieurs, j'y vois dans le choix du thème global de cette année, comme dans celui du thème national, une parfaite adéquation avec le thème de l'Union africaine pour 2017, qui est pleinement produit du thème démographique en investissant dans la terre. En effet, aucun programme de développement ne saurait être mis en œuvre avec succès, aussi bien au niveau continental qu'à celui des Nations Unies, sans avoir réussi une transition démographique. Celle-ci passe entre autres par la transformation du système éducatif, y compris la prise en compte de la jeune vie, de la santé et de la nutrition, qui figure fort heureusement au cœur de l'engagement des chefs d'État africains pour conduire l'Afrique, notre continent, vers la prospérité, la vie durable et le développement. C'est sur ces mots que je voudrais ici féliciter le gouvernement congolais à travers le ministère du Charme, l'Enfant et Famille et l'UNICEF pour la bonne organisation de l'édition 2017 de la Journée de l'Enfant africain, avec en particulier la participation active des enfants eux-mêmes que je remercie ici. Je vous remercie votre attention. Les principes directeurs ainsi que les objectifs. Et la deuxième partie présentera donc le cadre politique. L'état de la législation congolaise sur le mariage d'enfants présente d'abord l'article 330 du Code de la famille qui définit le mariage comme une union légale de manière synthétique. C'est une union légale. Ce qui fait que le mariage en soi,
soi est un acte juridique. Et de ce point de vue-là, l'enfant est exclu de la participation à cet acte juridique. Il est précisé que l'homme et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Et enfin, le Code de la famille, l'article 357, tel qu'il a été